Déjà paru aux États-Unis, Pendulum nous fait ce mois-ci l'honneur de sortir en France, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeu de Travis Jones se divise et surprend. Dans son concept pourtant, Pendulum n'a rien de très particulier, vous incarnez un prétendant au trône, profitant de la disparition du roi intemporel pour gagner en puissance et, par la même occasion, relancer l'horloge de Montbriel. Il s'agit là de pose ouvrier, de gestion de ressources, saupoudrée d'un petit peu d'asymétrie. Chaque joueur incarne un noble devant jouer de son influence pour conquérir des terres et gagner en popularité. Chaque personnage est différent et, selon son histoire, devra plus ou moins se focaliser sur les différents marqueurs du jeu situés en haut du plateau. Pouvoir, prestige, popularité, exploits légendaires, pour pouvoir prétendre au trône en fin de partie, il faut impérativement que les 4 pions se trouvent dans la zone de parchemin à droite. En dessous se trouvent les 3 ressources du jeu, la puissance militaire, la culture et l'or. Comme les conditions de victoire, les ressources de départ varient d'un personnage à l'autre et sont en adéquation avec son histoire. Un noble possédant une grande armée, donc beaucoup de ressources militaires, aura en contrepartie à gagner beaucoup de popularité s'il veut accéder au trône. En bas du plateau, enfin, se trouvent les différents marqueurs de production de chaque personnage, qui vont évoluer à mesure que celui-ci acquiert de nouvelles terres. Le plateau de jeu, quant à lui, propose de nombreuses zones où placer des ouvriers qui, souvent en échange de ressources, feront évoluer vos conditions de victoire ou activeront votre production. On y ajoute les cartes territoires en bas à gauche qui augmenteront votre production une fois conquise et le deck d'exploits légendaires au milieu, indispensable pour remporter la victoire. Tout cela est donc bigrement classique. Pourquoi, me demanderez-vous, Pendulum fait-il autant parler de lui? Tout simplement parce qu'il se joue en temps réel. Aux 3 grandes zones de pose d'ouvriers sont associés un sablier qui conditionne ce que vous pouvez faire ou pas. Vous ne pouvez poser ou enlever des ouvriers que sur les lignes où le sablier ne se trouve pas, et vous ne pouvez effectuer les actions de vos ouvriers que là où un sablier est placé. Cela signifie que pour obtenir un vote ici, par exemple, la ressource violette, vous devez poser votre ouvrier quand le sablier se trouve sur la ligne du dessus, attendre que celui-ci s'épuise, puis le retourner sur votre ligne, permettant ainsi de réaliser l'action. Mais votre ouvrier est maintenant bloqué par le sablier, et il vous faudra attendre qu'il s'épuise à nouveau pour le retourner une deuxième fois, libérant la ligne et vous permettant potentiellement de reprendre votre meeple pour aller le placer ailleurs. La subtilité, c'est que tous les sabliers n'ont pas la même durée et que n'importe qui peut les retourner une fois le temps écoulé. Il faut donc optimiser ses actions afin de perdre le moins de temps possible, mais aussi jauger ses adversaires qui, s'ils sont plus rapides que vous, peuvent vous priver d'un grand nombre d'ouvriers. Les tours sont entrecoupés par ce que l'on appelle des phases de conseil, non chronométrées, pendant lesquelles on va mesurer la popularité de chacun des nobles. Par ordre décroissant, chacun pourra choisir une carte lui donnant un bonus immédiat ou différé. La partie deck building, que je n'ai pas mentionnée car elle est assez marginale, possède cependant sa mécanique propre et ajoute encore aux choses auxquelles vous devez penser pendant que le temps s'écoule. Il est assez difficile de se rendre compte à quoi ressemble une partie de Pendulum en termes de rythme avant d'y avoir joué. Contrairement à ce que j'aurais pu penser, le jeu n'est pas si brouillon que cela et fait plutôt penser à une partie d'échecs durant laquelle les chronomètres seraient extrêmement courts. Étant donné que l'on ne commence qu'avec 2 ouvriers, les tours sont ponctués de phases de réflexion, pendant lesquelles chacun se jauge, consulte ses cartes et ses possibilités, le tout dans une atmosphère de pression permanente. Le jeu a reçu un accueil mitigé outre-Atlantique, mais je ne partage pas les reproches qui lui sont faits. D'abord, on l'accuse d'être assez pauvre thématiquement, mais ce genre d'opinion ne peut qu'être subjective. Je trouve personnellement la DA très réussie et cohérente, d'autant que la qualité du matériel, des meeples aux livres de règles en passant par les plateaux joueurs en PVC, est clairement au-dessus de ce que l'on trouve habituellement en boutique. Ensuite, on lui reproche d'être répétitif. L'argument, c'est qu'une fois qu'on a suffisamment joué, on peut facilement déterminer un ordre d'action optimal, permettant de remplir toutes les conditions de victoire avant la fin de la partie. Là-dessus, je vais vous demander de prendre un petit peu de recul et de bien faire la différence entre votre expérience personnelle de joueur et celle d'un youtubeur qui va faire 15 parties en un mois afin de produire sa review le plus rapidement possible. Il est vrai que l'absence totale d'aléatoire, que ce soit sur les conditions de victoire ou d'obtention des points, peut laisser penser que Pendulum est un jeu qui s'apprend par cœur. Cependant, à moins que Pendulum ne soit le seul jeu de votre ludothèque, ou que vous ne le sortiez tous les jours, vous avez une belle marge avant que quiconque dans votre groupe arrive à ce niveau d'optimisation. La présence de plateaux joueurs avancés et de règles experts renforce en outre sérieusement la solidité du titre. Les reproches que je ferai à Pendulum sont d'un autre ordre. En premier lieu, le jeu étant joué en temps réel, il n'est vraiment palpitant que si les sabliers sont souvent déplacés, donc si vous êtes assez nombreux à table. À 2 et 3 joueurs, les parties sont beaucoup plus lentes, mornes presque, et la tension s'en trouve nettement réduite. La présence d'un livre de règles automa, permettant d'intégrer jusqu'à 2 adversaires artificiels à vos parties,
Compense un peu cette tare, mais l'expérience optimale ne sera obtenue qu'en réunissant au grand minimum deux personnes autour de vous. Le second vrai problème d'un jeu en temps réel, pour ma part en tout cas, est un peu plus pratique. Il s'agit là d'une observation plus subjective qu'il vous appartient de mettre en parallèle avec votre groupe de joueurs. Qui dit temps réel dit simultané, et donc chacun pour soi. Les règles, si elles ne sont pas complexes, demandent tout de même un effort d'adaptation, et surtout la pression de scorer le plus vite possible peut entraîner des erreurs, plus ou moins volontaires, comme oublier de payer pour une action ou placer un ouvrier là où l'on n'a pas le droit. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'apprends un jeu à mon groupe, j'ai souvent besoin de les accompagner, de les guider, souvent de leur rappeler ce qu'ils ont le droit de faire ou pas, pendant au moins une partie, avant que chacun soit plus ou moins autonome. Ici, évidemment, le jeu va punir cruellement celui qui aura moins bien saisi le concept, et permettre à quelqu'un qui serait moins regardant sur les règles et les paiements de faire ce qu'il veut sans être trop inquiété. Vous perdez donc cette espèce de rôle de maître du jeu qu'on prend tous quand on initie un groupe. Vous ne vous amuserez donc vraiment que si chacun autour de vous fera l'effort d'intégrer tous les concepts et bien sûr de les respecter. Notez tout de même qu'une version sans sablier permet de se familiariser au jeu, cependant gardez ce paramètre à l'esprit avant de vous lancer dans l'aventure, la qualité de vos parties sera fonction du niveau et de l'implication de vos joueurs. Vendu à un prix extrêmement correct au vu du matériel proposé, Pendulum est une expérience à part, une expérience de connaisseur avec de gros guillemets. Pas plus difficile à comprendre que n'importe quel euro moyen, sa dimension temporelle implique d'avoir un groupe de joueurs ayant une compréhension équivalente des règles, et surtout une autonomie qui n'est pas toujours monnaie courante dans les cercles de jeu. Il n'en reste pas moins que pour son expérience unique et les sensations qu'il procure, c'est un jeu que je recommande chaudement à tout groupe de nobles à la recherche de nouveaux défis. C'était ma review de Pendulum, je vous remercie de l'avoir suivi. On va prendre un petit peu de recul là pour les mois de juin et juillet, on va espacer un petit peu les vidéos dans le but de sortir des plus grosses vidéos, justement des plus grosses productions. J'ai pas encore trop le droit d'en parler, mais je suis sur deux ou trois projets assez intéressants, donc je vous laisse suivre tout ça. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.